وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Les salafs, les pieux prédécesseurs, donnaient beaucoup d'importance à la politesse. Ils apprenaient la politesse bien avant d'apprendre la science. Quand l'imam Malik était jeune, était enfant, sa mère lui mettait une imam, un turban. Elle l'embellissait de beaux vêtements pour aller apprendre la science. Puis elle lui disait, va chez Rabi'a. C'était un savant de la Médine. Rabi'a al-Ray. Apprends de sa politesse avant d'apprendre de sa science. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, Amir al-Mu'minin fil hadith. Il a dit qu'on apprenait la politesse pendant 20 ans avant de commencer à apprendre la science. Déjà, nous, on a un effort. Eux, ils partaient, machallah, déjà d'une éducation. Nous, on part de moins 20 ou de moins 30. C'est-à-dire, Allahumma, illa man rahim Allah. Ceux que, alhamdulillah, ils ont une famille religieuse qui les ont éduqués. Allahumma barik. Mais nous, dans quelle ambiance avons-nous grandi? Et quel est notre environnement? Donc, on part de négatif, déjà. Il faut rattraper déjà ce négatif avant de penser au positif. Naam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.